Olivier, bravo, vous venez de remporter le Jockey Club, c'était une victoire attendue. Une victoire attendue, on va pas dire méritée, mais bon, c'est vrai que c'était pas évident, même s'il il faisait figure de premier favori, il a fallu lutter un petit peu, et c'est un cheval qui est très, très bon, et bon, j'étais confiant avant, et il a fait que confirmer ce que je pensais. Lors de la conférence de presse, vous avez annoncé quand même que c'était peut-être le meilleur 3 ans d'Europe. Et oui, parce que si on prend avec la ligne des Guinées, il a battu des chevaux, il y a quelques lignes, et je pense, vu ce qu'il a fait aujourd'hui, bon, je l'estime beaucoup, et je pense que ça, il fait partie, on va dire, si c'est pas le meilleur cheval, il fait partie au moins des deux premiers. Bon, en tout cas, nous, des tribunes, on a l'impression que ça a été très facile. Oui, c'est toujours facile, les tribunes. Mais à cheval, c'est pas toujours évident. Il a fallu quand même faire attention, prendre un bon départ, voir à peu près réguler le temps. Mais c'est un cheval qui est bon, qui a un bon mental, qui est rapide et tout. Et il est en plus, c'est un très bon cheval à monter. Il a un mental de gagnant. Il a un mental de gagnant. Et c'est vrai que j'étais confiant parce que je sais qu'avec ce cheval-là, on peut faire ce que l'on veut. Est-ce que c'est un gagnant potentiel également du prix de l'Arc de Triomphe maintenant ? Je l'espère. Bon, l'année est encore longue, il faut attendre le mois d'octobre, mais bon, on est bien parti pour. Michael Delzang, vous êtes quatrième du Jockey Club. Premier constat, c'est un bon résultat. Oui, le cheval court très bien. Je crois qu'il est à sa place aujourd'hui. Il a peut-être montré un peu sa limite en tenue. On avait un petit doute, on pensait que c'était peut-être un peu le bout du monde pour lui. Et je crois que c'est l'impression qu'on peut en avoir aujourd'hui. Est-ce que pour vous, l'objectif est atteint ? L'objectif, non. L'objectif, c'est toujours de gagner. Mais je pense qu'il court très bien quand même. Vous terminez cinquième du Jockey Club. Photo pour la quatrième place. Oui, voilà. Ça s'est joué à peu de choses. Oui, non, mais on est très satisfait de la course du cheval. C'est un cheval qui n'avait couru qu'une fois dans sa carrière. Et évidemment, le courir dans cette course-là représentait un risque. Et bon, il montre que c'était justifié d'essayer. Qu'est-ce qui vous a poussé justement à y aller ? C'est un cheval qui travaillait bien et j'avais pas de course. J'avais une autre course à Longchamp samedi et qui me plaisait pas beaucoup, donc j'ai préféré prendre le risque. Un risque payant donc ? Un risque payant. Et puis bon, il montre qu'il a la qualité de courir un groupe 1 pour la suite de sa carrière. Est-ce que vous avez des regrets par rapport au parcours ? Pas du tout. Non, il a une course idéale, il n'y a rien à dire. Christophe Dallouari, non placé. Oui, non placé. Bon, il a été un petit peu débordé dans le parcours, un petit peu en sur-régime. Il faut dire qu'il a mis beaucoup de temps à rentrer dans sa boîte. Il a certainement perdu un petit peu d'influx. C'est un cheval un petit peu tendre. Il n'a pas démérité néanmoins. Il s'est quand même bien relancé dans la ligne droite, mais sans pouvoir accrocher les chevaux devant lui. Qu'est-ce qui lui manque à ce niveau ? Et certainement un petit peu de maturité et un petit peu de vitesse. Voilà. Pas très bien sur la boîte. Comme s'il a pas des morales aujourd'hui, il n'a pas avancé. Il a été que l'ombre de lui-même. Oui. C'est pas lui aujourd'hui. On n'a vu pas le même d'Astaran de l'épaule. On allait un peu vite d'avant et en fait il a pas progressé. Je trouvais un peu défraîchi en mi-tournant, quand au cheval des Détori, il m'a crasé deux fois, donc. Je crois que c'est juste pas pour ça, c'est pas le même cheval de l'épaule.